Moi, je connais, à partir de mon rentre dans la politique en 76, je connais Cécile Sagar, je connais Lélie. Et je suis capable de dire, quand nous trouvons ce qui peut passer dans nos pays aujourd'hui, et quand on réalise ce couple-là, c'est un monde de différence. Lady Cécile, les tiennes, madame, qui tu connais sur la case, qui tu connais sur la famille, qui tu connais sur les enfants, et Cécile Sagar Amgoulam, qui peut faire la politique. Jamais tu n'as un mélange de la, pour, de la politique entre Cécile Sagar et Lady Cécile. Lady Cécile, tu connais ses limites. Cécile Sagar, comme Premier ministre, tu connais qu'on va pour gouverner le pays. Mais aujourd'hui, quand nous guettons ce qui peut arriver, c'est bien, bien sagrinant pour nos pays. C'est bon que nous connaissons la force derrière un monsieur, c'est son madame. Lady Cécile, dans un moment plus difficile, finit soutenir Cécile Sagar à Amgoulam, mais jamais il finit interférer dans son travail comme Premier ministre. C'est ça qui nous vient retenir aujourd'hui. C'est ça qui est important pour nos pays aujourd'hui. Si nous trouvons tout ce qui peut passer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop beaucoup d'interférences, ben, qui n'ont pas une élite et qui gouvernent le pays aujourd'hui. En mémoire de sa grand-madame-là, nous fiers qu'elle nous l'a aujourd'hui et nous espérons que dans l'avenir, nos pays pour trouver l'éclairage et pour retourner sa façon qui tu peux gouverner le pays, parce que c'est Sagar Amgoulam à l'époque, quand ce madame qui soutenait lui et pas qui rentre dans ses affaires.